بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis qu'Allah nous réunisse, au Firdaus avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous ombrage sous son ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Je vous dis aussi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle belle invocation, quel beau pacte, quel engagement de vivre avec toi dans la paix, dans la miséricorde, dans les bénédictions. Quel bel engagement de non-agression, et quelle belle invocation que je fais pour toi, pour que tu puisses vivre dans la paix, la miséricorde et les bénédictions et les excellentes valeurs de l'islam. Mon frère, ma sœur, qui n'a pas encore pu, qui n'a pas encore voulu, ouvrir son cœur, ouvrir son âme, ouvrir sa raison à la puissance et à la beauté de l'islam. Je t'aime. J'ai beaucoup d'affection pour toi. J'ai beaucoup de gratitude envers toi. Je te veux beaucoup de bien. Je m'adresse à toi avec le cœur et j'espère qu'un jour tu m'écouteras avec le cœur. Avançons ensemble. Faisons en sorte que le bateau se maintienne. Évitons que le bateau dans lequel nous sommes tous ne coule. Évitons qu'il coule. Aimons-nous. Respectons-nous. Nous avons tellement de choses en commun. Nos valeurs humaines qu'Allah a gravées dans l'ADN de notre âme. Nous aimons la justice, nous aimons la paix, nous aimons la sûreté, la sécurité. Nous voulons le bien pour nos enfants, nous voulons le bien pour les futures générations, nous voulons le bien pour le pays dans lequel on vit. Qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique. Un frère me dit, salam alaykum, doit-on faire publiquement état de nos divergences? Ne doit-on pas laver notre linge sale en famille? Allahu a'lam. Le proverbe est beau. Il faut toujours laver son linge sale en famille. Le proverbe est beau. Je l'ai appris enfant dans le désert. Je pouvais lui trouver un sens. Je pouvais le comprendre et l'appliquer. C'est une sagesse que quelqu'un a dit en observant les expériences de la vie. Mais cette parole n'a aucun sens dans ce que nous menons aujourd'hui comme vie, comme jihad, comme combat pour l'amour, pour la paix, pour la justice, pour l'unité des musulmans, pour l'unité humaine. Ce proverbe n'a aucun sens, atteint toutes ses limites. Donc par rapport à ta question, la réponse est non. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous avons des divergences. Tu vas me dire, Mustafa Aboumane, je t'aime mon Allah. Je pense que nous avons des divergences. C'est pas haram. C'est pas interdit. C'est pas grave. La divergence a toujours existé. Même entre deux vrais jumeaux, monozygotes, deux vrais jumeaux. Il n'y a pas deux personnes qui réfléchissent de la même manière. Il n'y a pas deux sahabas, deux compagnons qui ont réfléchi de la même manière. Il n'y a pas deux prophètes qui ont réfléchi de la même manière.
et qui ont géré des problématiques de la même manière. Donc la divergence est quelque chose de naturel, de normal, de sain. Donc à un moment, moi, je t'appelle, c'est vrai, toi et moi, on se respecte, pas de problème, on s'aime en Allah, on essaie de respecter les recommandations de la religion et de ce que Allah nous demande. Viens me voir, je viens te voir, et on échange pour nous enrichir, pas pour que tu puisses me convaincre ou pour que je puisse te convaincre. Peut-être en échangeant toi et moi, on va trouver que finalement, on n'a pas beaucoup de divergences. Les choses qui se sont présentées à nous comme divergences étaient des choses où nous sommes très unis au niveau du cœur, au niveau de l'âme et au niveau de la raison. Donc ça, c'est toi. Maintenant, qu'est-ce que les musulmans ont fait dans leurs histoires avec S? Et qu'est-ce qu'ils font dans l'histoire qui m'implique moi, dans cette génération dans laquelle Allah m'a mis? Qu'est-ce que les musulmans ont fait? Et ils montrent une haine viscérale aux musulmans, publiquement. Ils détestent les musulmans publiquement. Ils combattent les musulmans au sein des familles, déjà. Ils combattent leur propre famille. Ils peuvent décréter que leur père est un égaré. Ils peuvent décréter que leur père et leur mère méritent la mort, les musulmans, selon leur secte. Ils décrètent que les musulmans, la majorité des musulmans sont des koufars, la majorité écrasante. 1 milliard 700 millions, il y a peut-être 1 milliard 600 millions, d'accord, ou 550 millions de koufars. Pourquoi? Parce que le musulman croit en le Coran et en le hadith authentique. Il vit en utilisant le Coran et le hadith, le coraniste lui dit, tu es kafir. Le salafi pense qu'il est le groupe sauvé, que tous les autres ne sont pas sauvés, seront en enfer. Le tablighi pense que c'est lui le seul qui a compris l'islam. Sa vie, c'est le khourouj, il faut sortir. Ceux qui ne sortent pas n'ont rien compris de la religion d'Allah. Donc, tu vois, les divergences sont là, et c'est même pas des divergences. C'est du fanatisme, du sectarisme, de l'asabiyya qui pue, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Il nous a dit, préservez-vous de la asabiyya. Ne soyez pas dans la asabiyya. Éloignez-vous de la asabiyya. Parce que c'est une puanteur. Car elle pue. Il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui a combattu, le prophète dit, qui combat pour la asabiyya, qui vit pour la asabiyya, qui meurt pour la asabiyya, ou sous la asabiyya. Et celui qui meurt sous la asabiyya, il meurt sous la jahiliya. Sous l'étendard de Jahiliya, wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, tout le linge sale a été sali encore et encore et encore et encore par une infinité de saletés et par une infinité de mauvaises choses et de déchets non recyclables devant le monde, devant l'humanité. Et comment tu veux que moi, je ne fasse pas le rappel pour aider mes amis musulmans et mes frères et sœurs musulmans à se débarrasser du fanatisme, sectarisme, asabiyya, xénophobie religieuse. Il m'est interdit de le faire. Donc tu me dis, doit-on, tu utilises le verbe devoir en disant, on doit ne pas laver le linge sale devant les autres. Je te dis, nous devons maintenant, nous devons nettoyer le linge sale que les musulmans ont dans leur cœur, que les musulmans ont dans leur raison, dans leur cerveau, que les musulmans ont dans leur comportement et que les musulmans ont dans leur chaque cellule de leur corps et de leurs âmes. Nous avons l'obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala de combattre cela. Intelligemment, avec endurance, sur la durée, en utilisant l'intelligence humaine, d'abord, l'intelligence musulmane, d'abord, pour comprendre que ce que les musulmans font n'a rien à voir avec le Coran et avec la Sunna, et que le Coran combat ça, et que toutes les personnalités que le Coran, mauvaises,
que le Coran décrit ont adopté ce sectarisme-là, ce fanatisme-là, cet entêtement-là, ces mauvais comportements, et que tous les gens de bien qu'Allah a décrit, subhanallah, au niveau du comportement, au niveau de la manière de faire, au niveau de la manière de vivre, au niveau de la manière de résoudre les problématiques avec les humains, n'ont rien à voir avec les musulmans d'aujourd'hui, malheureusement. Ceux qui adoptent ce que tu appelles la divergence. Donc ce n'est pas la problématique de la divergence. La divergence a toujours été réglée entre les savants eux-mêmes, dans leurs livres, dans leurs rencontres. Chacun exprimait sa divergence. Et plus le savant adopte ce que l'islam recommande, en allant vers l'autre, en ne voyant pas le mal dans l'autre, en n'utilisant pas le mauvais soupçon et la mauvaise conjecture contre l'autre, à chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont trouvé que leurs divergences étaient des fausses divergences, ou étaient des choses qui pouvaient aider, les aider eux-mêmes et aider la Ummah. Et les honnêtes parmi eux ont remis en cause les choses mauvaises qu'ils avaient. Donc la divergence, tout au long de l'histoire musulmane, il y a eu des divergences, et les musulmans ont essayé de dépasser ces divergences. Et ces divergences-là n'ont pas provoqué ce que nous vivons aujourd'hui. Cette haine viscérale. Cette haine viscérale. Cette division à l'infini. Ce sectarisme à mort. Ces querelles à l'infini entre les musulmans. D'accord? Donc j'espère que tu as compris ce que j'ai essayé de te dire. Si tu n'as pas bien compris, envoie-moi un autre message, Inch'Allah, pour m'expliquer ton prisme à toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.